Pas des pirates, pas de conneries. Oh, ça me fait penser. Oh, la balistique, ma soeur Chocobo. Bonjour. Je viens tout juste de préparer à manger. Mamie. Si vous avez un petit creux, n'hésitez pas à venir. Mamie. Ah oui. Ah, je suis. Ah, on peut je compter. Je déteste parler trop longtemps dans cette machine. Venez donc à bord. Ah, d'accord. Bah quoi alors? bah oui, bah très bien. Bah oui. Je me fais. On accoste chez mamie. Cycle d'amarrage terminé. On copule avec le vaisseau de mamie. Oh. Je peux prendre? Merci mamie. Et là il est dans les toilettes, c'est. Oh mamie, hein, je me sers hein. C'est raclure quoi. Oh. Tout ce tas de fouillis que vous transportez vous ralentit sérieusement. Non, oh, t'inquiète. Moi, je suis déjà full, t'es en train de me dire. Oh, mais vas-y. Par contre, c'est intéressant, je viens de drop là. Oui, c'est. Attends. 10% des humains, infligent le nombre de dégâts incendiaires. Mais c'est incroyable. Incroyable cette arme. Voilà. On a un meilleur piou. Bon mamie t'es où? Ah mais son vaisseau est grand, what the fuck. Non mais c'est juste que je suis que. Ah bah tiens. Bonjour mamie, au revoir mamie. Ah ton copé t'es là du coup? Attends j'ai testé un truc. Tu veux conduire mamie? Mais what the fuck, je peux le mettre dans le siège de pilotage. Attends, oui, ça saute. Je te vole juste la thune. Je vole l'argent de mamie. Oula, attention. Ah oui, non, mais il y a trop de trucs là. Oh, oh. Du pain de viande. Un petit jeu société. Non mais. Et sinon t'as combien de clients? Oh putain. Oh ouais, non mais y'a trop de trucs. Eat your super first. Ouais. Les peluches. J'en prends un. Le chien. J'ai déjà le chien. Oh ça c'est pas mal ça. Canard. Je prends le canard. Oh bah oui, non mais ouais, moi je me sers mamie. Ah bah oui, mais mamie t'es super gentille. Bon sinon. Bon ça je te dépouille pas mal depuis tout à l'heure mais attends. Non. Et du coup on disait. Eh bien, bonjour. J'espérais que vous viendriez me voir. Le pire dans les voyages spatiaux, c'est de devoir manger seul. Je mangeais tous mes repas avec ma moitié autrefois. J'ai préparé plein de choses. J'espère que vous avez faim. Oh bah merci, elle me donne un truc. C'est un plaisir de vous rencontrer déjà. Formalité. C'est un plaisir de faire votre connaissance. J'ai enfin pris ma retraite l'année dernière et depuis, je voyage partout. J'aurais bien voulu faire ça quand j'étais plus jeune. Mais putain, t'as pas peur, hein. Plaindre. Mes petits-enfants sont terrifiés à l'idée que je sois là. Totalement flippés. Bah, vous n'imaginez même pas les gens que j'ai pu rencontrer. L'espace est dangereux, vos petits-enfants ont des raisons de s'inquiéter, bah oui. Je trouve que l'espace attire souvent des personnalités excentriques. Ça me surprend que vous ne savez pas où vos petits-enfants. Ouais, non, mais faut pas déconner. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez rencontrée, madame? J'ai invité un brave homme à manger une fois, tout comme vous. Et je l'ai tué. Et il a débarqué dans mon vaisseau complètement nu. Ah. Il s'est avéré que c'était un de ces nudistes à l'ancienne. C'est Maxou. Il disait que personne n'en savait rien dans l'espace.
Mais Dieu sait que moi, je l'ai remarqué. Je vous. J'ai de bons boucliers et toujours assez d'hélium 3 pour m'astroporter en sécurité. Je fais attention. Alors, que pensez-vous des systèmes occupés? Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant d'étoiles, de planètes et de lunes. J'ai la tête qui tourne rien que d'y penser. Oh, c'est vrai qu'elle est gentille. Je suppose qu'elle lui donner la thune. Je crois même que je vais le faire. Attendez, j'adore ça. Il faudrait bien plus d'une vie pour tout voir. C'est vaste et vide et je préfère la vraie gravité. Non. Rencontrer une autre personne, c'est ce que je préfère dans l'espace. Ah allez, vas-y, attends. Oh, c'est vraiment adorable de votre part. J'ai peur de faire les autres choix et que ça skip ça en fait. Tout bien. Mais il est vrai que les dépenses s'additionnent. Mais je ne vais pas vous laisser repartir les mains vides. Dévelader de la pirate gentille. Non mais c'est bon, allez, voilà. Elle me donnait plein de bouffe. Bon. Pensez-vous des systèmes occupés? Pépite d'avoine à jouer, ok. Faut ajouter. Ouais, je dirais je ça perso. Je ne contredirai pas. J'adore rencontrer des gens dans l'espace, surtout pour voler leur vaisseau et... d'une hein très longue journée. Mais n'hésitez pas à embarquer un petit tanka pour la route. J'en ai plein en stock. Bah je vois ça, et bah le meilleur PNJ pour l'instant. Oh, meilleur PNJ. PNJ très agréable. Je vais pas m'y servir encore oh. Merde. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas clair. Voilà, j'ai gagné. Oh. La petite photo là. Oui, t'inquiète, j'ai trop de trucs. Bah écoute, si mamie me dit qu'on se sert, bah moi je me sers. Hein. Non, par contre, c'est abusé, j'ai trop de bouffe. Hein. Oh, on le ramène, bah ouais. Il faut que je stocke de la bouffe dans mon vaisseau, je pense. Bon, faut que je fasse un réfrigérateur. Est-ce que je peux crafter un réfrigérateur dans l'avant-poste? Juste aller faire une petite sieste. Eh bah allez-y. C'est que ça. Ah, télétravail. Non, c'est quoi c'est? Binding, ouais. Calculate. Quand est-ce que c'est cette bite? Café. C'est pour Sarah, c'est moi je prends pas de café. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer. Et bah également. Oh. Om nom nom. Om nom nom. Om nom nom. Non mais la pauvre elle a plus rien à bouffer si je prends tout. Ok. Et bah c'était super sympa. Au revoir. Incroyable. Incroyable cette rencontre. Quoi? Ok. Bonjour. Oui. Quoi? Bah bonjour. Toi ferme la Tanguy. Ferme l'Ice Club. Bon qu'est-ce que faut que je vire là? Bon, c'est pas mal ça hein. Franchement en vrai. Ou j'ai peut-être fait le con non? Attends. Est-ce que DD a fait le con? Je veux dire ça dans quelques secondes. Non ça je le garde. Mais c'est vrai putain, oh, j'aurais pas dû ranger ça peut-être. Non mais attends. Ah oui, kit d'urgence c'est l'amélioration hein. D'accord. Non mais kit de soins sont là. Bon. Du coup on disait putain je suis perdu dans ce jeu là. Non je peux pas scanner. Comment ça je peux pas scanner? Bah je suis bien là bah oui. Bah alors je vais mettre mon vaisseau peut-être. Allez peut-être faut que je scanne en version enfin en cockpit. Ah non mais c'est vrai bah oui non non
Je suis un mari à elle, peut-être aussi. Au revoir, mamie. On est libre. Partons d'ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette planète? Bah, rien d'intéressant. Enfin, moi, c'est pas ce que je cherche. C'est pas ce qu'on cherche, hein. Bon, retournons sur ces planètes de ces morts, je suis désolé, mais voilà, on se balade. Parce que là, ouais, y a beaucoup d'eau. Le cul, en fait, ouais, tu vois, Master Shkao, le cul, c'est surtout au niveau du pôle nord, enfin, les pôles. Les papoles. Mais je pense que si je vais là, je vais avoir que du cuivre et pas de... Tu vois, regarde, je me suis mis là, tu vois. Ah, parce que j'étais proche de l'aluminium, en fait. Ah, c'est une blague. C'est une blague. Encore là, c'est du chlore. Ah non, on s'est mis là, ouais, c'est ça, voilà. Et même là, ça marche pas, ouais, non, mais je pense qu'on est baisé, hein. Je pense que... voilà, quoi. Donc, par exemple... Alors, j'ai pas trouvé le meilleur spot ici en fait. Hein. Oh, Mumba, j'ai une explication. Où est-ce que je le mets le Void Miner, Mumba? Où est-ce que je le mets? C'est, voilà, par exemple, tu vois, il y a aluminium, eau et cuivre. Donc, du coup, si je me mets genre là. Voilà, si on atterrit ici, est-ce qu'on a du cuivre? Du coup, ou pas? Oula, il y a une neige. La combinaison est OK. En route pour l'aventure. Ouais, et là, je suppose qu'on est en plein pôle, donc ça va me dire, ouais, bah, il y a du cube. Ah, là, on a du fluor et du cuivre, là, par exemple. Oh. D'accord. Mais là, je pense qu'on trouvera pas d'aluminium et de cuivre, quoi. Putain, y'a un mec là-bas. Non, mais c'est bon, c'est sûr. Ah, mais c'est ça, en fait. Oh, du coup, on peut pas miner plusieurs trucs différents. Radiation solaire, ah bon? Radiation solaire avec ces putains de nuages, je suis fou de ma gueule. Ouais, voilà, hein. D'accord. Après, peut-être des planètes. Enfin, oulala, j'arrive pas à parler. Peut-être plus tard des planètes où ça sera vraiment plus riche en minerais. Et voilà. Attends, peut-être je peux faire depuis la carte, non? Parce que je vais me TP. Ah, par contre, je comprends pas pourquoi il y a du chlore. Hein. Je sais pas d'où il sort ce chlore, mais. Ouais, c'est. Bon, c'est un. C'est RNG, hein, c'est RNG. Hein. On va se mettre là. The fuck that. Si on est bien d'accord que là c'est full cuivre, hein. Y a pas un petit filon d'aluminium, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, y a un trou là. Ah, c'est de l'eau, d'accord. Je pense qu'il y a pas d'arnaque, hein. Non, mais y a pas de soucis, hein. On va se poser. On va se mettre. Genre là. Voilà, hein. Fox de police, hein. Tout est vert, on peut atterrir. What the fuck? On est où? Ah, c'est à 400 mètres ça? Non, je dirais pas. Par contre, si on est bien là. Ah non, radiation. Ah. Encore un vaisseau à voler, non mais c'est trop loin. Non mais écoutez, on va se mettre à l'endroit qu'on était tout à l'heure, là c'était pas trop mal. C'était là je crois, non? Non, ça c'est là où j'étais juste avant. C'est là. On va se mettre ici.
Ouais, Ah! Je suis en train de sauter comme un con. Non mais sérieux, oh. Allez, on va se mettre là. Et puis fuck that. De toute façon, on va pas faire un avant-poste gigantesque, hein. C'est juste pour miner des ressources, on va pas s'emmerder. Hein. C'est juste pour miner des ressources. Voilà. Ouais, mais je pense que là il faut. Ouais. Mais non, mais je pense qu'on fera les deux, Master Chocobon. Il faut fermer de l'aluminium et du cuivre. Là, il faut de l'aluminium là. Le cuivre pour l'instant, ouais, j'ai pas encore trop vu à quoi ça servait. On va voir ça. Attendez. Voilà, il y a l'aluminium là par exemple. Okay. Ouh, il y en a plein. Non, oh, j'avais demandé ça. Mais connard de la pire espèce, tu me sors mon arme? Merci. Abusé quoi. Putain, mais c'est assez. En fait, ils sortent de la même touche, c'est horrible. Ok. Non, mais regardez, là, c'est pas mal comme endroit. Je crois que c'est là que je l'avais posé. Là, c'est bien plat et tout. Allez, hop. Ah, du j'ai vendu. Confirmé. Moi. Alors, on va faire. Ah oui, il faudrait peut-être prendre trois panneaux solaires en fait. Ça, ouais. Bah, tu vois, il faut quand même du cuivre pour les panneaux solaires, il faut aussi du beryllium. Mais bon, déjà, je pense l'idéal. C'est de savoir comment faire pour relier les stations. Moi j'en suis pas encore là. Donc ça c'est bon. Mais d'accord, je peux fermer du cuivre là. Ah, extracteur d'eau, tout ça, ok d'accord. Pas enfin, de l'aluminium je veux dire. On va mettre une petite toile je pense. C'est quoi ça? Ah, ça produit de la structure adaptative avec du fer et l'aluminium. Structure adaptative qui permet de faire bah, les conteneurs et tout, c'est pas mal. Ok. On va mettre une petite toile parce que voilà, c'est pour le lol. Est-ce que je peux tricher? Oh. Je peux la foutre tout en haut. Non, non, non. Non. On la met là, voilà. C'est un avant-poste à l'arrache, hein, je vous le dis. Par contre, le beryllium, faut en trouver. Hein. Pour l'instant, voilà, on minait des trucs, bon, ça. On savait pas à quoi ça servait, donc là on voit que le beryllium ça sert à pas mal de trucs en fait. Hein. Mumba, demande dans ta chaise avec du beryllium, tout de suite. Et là on va extraire de l'aluminium. Miam 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 miam. Tungstène sert pour les mineurs, d'accord. Oui, mais ça j'ai compris. Là voilà, il faut un stockage du coup. Voilà. Je le mets là. Ah, peut-être je peux recycler un panneau solaire, je crois. Attendez. Attends, comment ça se fait? Attends. Ah, bah oui. Je peux peut-être pour recycler un panneau solaire. Ouais. Ouais. Tac. Alors, comment ça marche? Ça mine du coup ou pas? Ah mais peut-être faut que je les relis. Il y aura une histoire de ce genre. Non. Calmez-vous. Modifier le mode. Créer liaison de production. Ah non. Il y a un extracteur. Ouais. Ah.
Oh! Encore une zone de production depuis extracteur aluminium, tout ce qui se produit sera automatiquement envoyé vers stockage solide. Voilà. Ah, ça marche pas dans l'autre sens du coup? Et là, on a déjà deux d'aluminium. Oh non, non, non. Mais ça produit, je crois. Je crois que c'était marqué la production. Ça produit. Ouais, ça produit 1,66 d'aluminium par minute, mais bah putain. Et couillon. Mais voilà, ça produit. On a l'aluminium. La chance d'en faire une chose pour le cul, hein. Je suis d'accord avec toi, Master Chocobo. Ça c'était gratuit ça. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop cool. Maintenant qu'on va faire pour centraliser les ressources à Sanctuary. Je pense que j'ai une petite idée, mais l'idéal c'est que je retourne à Sanctuary en fait. Je pense qu'il faut établir des communications entre les avant-postes et tout. Mais... on va voir ça. Oui, parce que là, du coup, il y a ce truc qui mine, mais il n'y a rien quoi. Est-ce que j'ai assez d'aluminium? Ah non, mais j'ai peut-être plus. Ouais. Ah, peut-être que j'ai assez. Bonjour. Ah, mais ça fait penser, tiens, pendant que je suis là. Non, mais. Espèce de con. Pourquoi je fais pas. Hein? D'accord. Ah, oui, alors attendez. Hihi. Om nom nom. Et 2-2. Ouais, c'est un canon d'aluminium, c'est bien. Voilà. Bonjour. On s'emmerde avec tout ça alors qu'on a même pas fait genre 10 minutes d'histoire quoi. Bah ouais, mais bon. Ah, ça c'est tout moi hein. Franchement, vous me connaissez pas à force? Il y a un entrepôt petit pour stocker des produits manufacturés. Ah, d'accord. Bon, je le mets où ce truc? Franchement, j'aimerais bien foutre là en fait. Ah oui. Coller ici là. Ah, par contre, mon personnage, j'y pourrais. Qu'est-ce... ah oui, parce que. Ah oui, d'accord. C'est que la caisse fait disparaître des cailloux. Mon personnage ne comprend pas. Oh Mumba. Oh. Oh là là. Allez, du coup on peut les. Ouais, on peut les. Les empiler. Oh là là. Et donc du coup ça là. Et voilà. Ah peut-être hein. Ah, il a 11 de fer. Et par contre ouais. Ah oui, oula, c'est un petit stock ce truc. Oulala, 75 de masse. D'accord. Oh, attends, ouais, Master Chocobo, attends, qu'est-ce qu'on a là? Contenant des transferts, bah oui, il y a ça. Conscience assez pour permettre de transférer votre cargaison à bord de votre vaisseau. Mais tu vois, ça c'est le vaisseau. C'est pas ce que je veux. Je pense qu'il faut faire une espèce de liaison montante ou une connerie. Je suppose. Tu vois, c'est ça, Master Chocobo, tu vois, amplificateur de scan. Construisez ceci pour doubler la portée de votre scanner portable. Mais bon. Ça, c'est de la déco, on s'en fout, mobilier, robot. Défense, artisanat. Laboratoire de recherche, établi industriel, ouais. Non, 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 qu'est-ce que ça fait? Structure d'adaptative, ouais. Ou peut-être que j'ai pas le truc, hein. Le truc appelé liaison.
Est-ce que tu vois ça? Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que le mineur là de d'aluminium là, il continue à miner même si on n'est pas là quoi? Est-ce que c'est Chuck Lodé? Est-ce que c'est Chuck Lodé? Ah! Ah voilà, oui, c'est ça, Master Chocobo. Oh putain. Ah, c'est dans divers le machin. Oh bordel! Construisez ces éléments dans deux avant-postes, puis liés pour vous permettre de transférer des biens entre ces derniers. Ah oui, bien, bien joué. Ah oui, du coup, il y a la version intersystème du coup. Et là, ça coûte de l'hélium et un relais de communication, d'accord. Les objets du conteneur source sont transportés dans le conteneur cible de l'autre avant-poste. Ok. Aucun carburant requis. Ah bah, c'est incroyable. Par contre, sa mère, la taille du truc. Sa mère. C'est quoi cette bite? Mais regardez, mais c'est quoi? C'est. Ah oui, parce que. Ah oui, impossible de construire. Oui, je. Non mais c'est quoi, c'est une usine à TBTT là, c'est pas mais c'est pas le liaison ce machin. Mais qu'est-ce que... C'est quoi cette bite? Du coup il faut l'aluminium, oh ouais. Ah, il y a un tableau d'émission là. On verra ça demain. D'accord, Eh bah écoutez, on va retourner de l'autre côté. C'est dommage, ouais, qu'il n'y ait pas un truc... Attends, je suis où? C'est quoi ça? Sanctuary. Retournons à Dolé, du coup. Il devrait mettre un... Ah, on peut faire comme ça, j'ai pas vu. Ah. Il devrait mettre des raccourcis, ou je sais pas, tu sais, pour aller directement voilà, au point clé, quoi. Au lieu de faire ça à chaque fois, là, c'est un peu chiant. Dolé. C'est exactement le genre d'endroit où il ne faut pas établir d'avant-poste. Bah comment ça? Bah ça ferme, regarde, ça ferme bien. On a une petite toile pour défendre notre avant-poste. Voilà. Par contre, ça j'ai pas compris ça. Hein? C'est quoi, câble? C'est quoi ça? Ah, c'est créer une liaison d'énergie? Ah, c'est peut-être pour lui dire... Ouais, tu t'associes seulement à cette énergie. The fuck. Okay. Elle est biologiste, elle aime les portes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'elle aimait ça, oui. Bah écoute, pour faire de la biologie, ma chère Sarah, il faut faire des machines. Et comment fait-on des machines, Sarah? Avec du minerai. Donc tu arrêtes. Oh non, 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 non. Alors, où est mon vaisseau là, ouais? Enfin, en vrai, ouais. Jusque rien ici. Normalement. Attendez, je vais juste aller faire pipi, je reviens. Le pipi du débit. Effectivement, ouais, ça continue de farmer, ouais.
contre, ce qui va logique, c'est pourquoi ça mine plus là. J'ai cassé la machine. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un pourcentage de. Non, ils sont allés jusque là. Qu'est-ce qui se passe? Il manque d'énergie. Bah non. On est à 808. C'est toi qui fais chier. Qu'est-ce que c'est cette blague? Bah tout à l'heure ça marchait quand je mettais la tourelle. Allez-vous bien pouvoir construire ensuite? Ah peut-être bien, peut-être ouais, je pense que j'ai foiré le... Quand tu l'as relié, ouais, je pense que j'ai troll. Regardez le pourcentage. C'est rigolo. Ils sont allés jusqu'à ce petit détail, quoi. De toute façon, on va aider à... On va les miner, nous aussi. Hein. C'est à la limite, le titre du live, bon, j'ai mis exploration, je savais pas ce qu'on allait faire, mais là, c'était plutôt... une mine. Bah du coup il faudrait un truc de cuve de beryllium je pense, et là on serait pas trop mal. C'est ouais, c'est trois là je pense, et le fer pour l'instant je sais pas à quoi ça sert. Mais regardez l'aluminium, il en faut partout hein, c'est ouf hein. Il en faut partout de l'aluminium hein. Alors liaison, ah bah là il me faut du fer. Et j'ai pas pris le fer comme un con. Le fer. Bon, de toute façon, il me manque. Je vais y arriver. Il me faut. Ouais, 24. Il faut 9 d'aluminium. Ah, c'est une très bonne question, Master Chocobo. Ah, oui. Ah oui, limite on devrait faire ça. Non mais au pire, Master Chocobo, je me foutre un autre extracteur peut-être, non? Tu vas en mettre plusieurs? Ah oui, il doit être passé sans filon, non? Ah oui. Non, tu vois, je peux en mettre plusieurs. Faut pas, tu vois, il y a une zone d'effet autour du truc là. Il faut pas que ça se chevauche avec l'autre. Je vais en mettre un autre, effectivement. Il faut du tungstène pour le... Putain, faut que je note ça. Attends. Oh merde. Tac tac. Minage. Donc fer, ok. Oui, il y a un robot aussi, je sais qu'il y a les robots, ouais, mais ça on chaque chose son temps. Je sais, Master Chocobo, calme-toi, respire, j'ai vu ça l'autre fois. J'ai vu. Et ça c'est du spoil, attention, si je savais pas c'était du spoil Master Chocobo. Attention. Et ça je le savais. On se calme. C'est du backseat même. Attention. Qu'est-ce qu'on avait dit? Beryllium. Attends mais non c'est pas ok ça. Voilà. Du coup il faut cuivre, beryllium et tungstène. Je pense que ces trois là c'est pas mal. Oh Master Chocobo. Oui mais moi je l'ai pas vu du coup, donc ça reste du backseat Master Chocobo. Joue pas avec ça. Ok. Pas des trucs à miner là, à l'arrache. Là là, c'est quoi ça? Lithium, oui Après voilà, la zone de minage elle est quand même assez grande quand même hein. Putain, mais y'a plus d'aluminium là, j'ai tout miné. Oh, fais chier. Oh. J'ai beaucoup de place ou pas? Non. Ouais, l'eau. Bah, pour l'instant, l'eau, j'en ai pas besoin, donc je vais pas le faire. En plus ça coûte combien hein, cette merde, là pas si froid, attends. Ah, il y a vapeur d'eau. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Non, j'utilise de l'aluminium ce truc là, pitié.
Benzène. Non, il faut garder la lumière, Master Shkobo. Calme-toi. On fait ça dans l'ordre. Attends, ouais, y a un peu d'aluminium là, MDR. Alors, est-ce que par hasard je peux en miner? Il y a pas beaucoup. C'est quoi ça? Plus or. Dans les filons d'aluminium, bah ouais, y en a plein normalement, mais. C'est terrible. Ça, j'ai pas beaucoup de place sous l'attention. Pire en vrai, pas les couilles. Ah non, mais je vais pas avoir une TP, oui, putain. C'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a ici? Je pense qu'on est pas mal. Ok. Ah. Mode Phineas activated. On a combien d'aluminium là? Ça ferme ou pas? Oh oui, oh 17! What the fuck? Oh oui! C'est pas 17 minutes! C'est le TP rapide là qui m'a speedrun le truc! Holy moly! Après, c'est pas nécessairement 17 minutes, c'est ouais, 17 divisé par 1,66. Ouais, allez, ça fait 10 minutes et quelques pour être exact. Je vais le rush rapide. Qu'est-ce que je viens de dire, Master Chocobo? Respire. Respire. Aïe, merci, j'ai pas le faire. Ah, fais chier. Aïe. Donc là, en toute logique, je vais avoir un milliard de fer là. Ah, c'est la Bretagne ici, putain. 41 de fer. Oh nom. Alors, bon, où est-ce qu'on va mettre cette merde? Ah mais les ondes, je peux en construire que 3. Ça, c'était pas prévu, ça. Ah oui, mais attends, mais 3 de façon globale ou c'est chiant. Ou que seulement sur la planète. 3 par système. Ouais. Peut-être 3 sur la planète, hein. Putain, ce truc MDR. Oh là là! Ouais, putain, il manque du beryllium, merde. Une liaison permet de transférer des objets entre avant-postes. Une fois les ont établis entre avant-postes, utiliser la console de commande pour les lier. Les objets du conteneur source sont transportés. Oui, mais c'est. Oui. Oui. Oh, mais la taille du machin, quoi. Oh là 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 là! Oui. La console de commande. Ça c'est bien ça. Mais il me faut du beryllium. Je crois que j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Il y en a pas. Où est-ce qu'on peut avoir du beryllium, putain de merde? Y a quoi là? Du monde ici ou pas?
Non. Non, on est d'accord qu'il n'y en a pas. Et sur cette petite planète, dis-moi qu'il y en a. Oui, d'accord, c'est que je me troll. Il n'y en a pas. Shit! Fuck! Relou. Je vais en acheter au Master Chocobo. Master Chocobo. Respire. Respire. Pourquoi se faire chier en en acheter alors que je peux en avoir gratos? Dis-moi. Y'a quoi là-dedans là? Quel ion. Pourquoi se faire chier en acheter? Parce que je peux en avoir gratos sur une planète. Une planète qu'on a trouvée. Ah, oh, je suis toujours full, putain. Ouais. Est-ce que je pourrais stocker cette merde? Non. C'est qui tout ça? Au secours. Merde. Attends. Comment il fallait? Il faut 20 de fer et 12 d'aluminium, ok. 20 de fer et 12 d'aluminium. Attends, je suis en train de faire une connerie là, je pense. Non, attends, faut pas qu'on fasse comme ça. Attendez. Attendez. Non, putain, le menu. Ce beryllium, ça rassemble en plus là. Non, c'est tungstène fer, aluminium, ok. Il faut que je réfléchisse sur les ressources que je dois transporter là. Infrastructure. Allô? Gratos, mais oui, c'est gratos, on va s'emmerder à acheter. On va mettre en place un autre avant-poste pour le beryllium, comme ça il sera fait. Tac. En plus, cette planète, il y a de l'hélium, donc c'est-à-dire que je peux faire du. De l'inter-système, je ne sais quoi. Donc il y a moins de faire un bail, hein. Il y a moins de faire quelque chose, hein. Il y a moins de faire un truc. Je suis rechargé, ouais. Ça marche toujours pas ce truc là? Ça marche? Ça marche. Je suis à la TP, ouais. Bah, au pire, je vais ranger tout le minerai dans la soute. Hein. Ouais, mais ce que je vais faire, ouais. En fait, je suis con, faut que je pose dans la soute. Ce sera plus simple. Maintenant, faut trouver un système solaire avec du beryllium. Hein. Enfin, une planète du moins un peu paumée. Et si on trouve aussi du. En fait, une planète qui a du beryllium et du tungstène, peut-être. Ouais. Voilà, ça serait incroyable. Parce que l'autre, là, dolé, il y a cuivre et aluminium. Déjà, ça va me coûter, je sais pas combien d'avant-poste. Que je peux faire après, voilà. Après, il faut automatiser les crafts et tout. Je sais, mais bon, là pour l'instant, c'est on est au début. Là, on c'est pour l'instant, c'est que le début. Ah non, moi aussi, je peux le ranger. Ça, ok. Alors, on disait. On disait.
Tu sais, il y a des petites planètes là, on les connaît pas ceux-là là. Oh, il y a là-bas sinon. Et il y a même là-bas aussi. Bah allons là-bas tiens. Explorons. Nous sommes des... Ah bonjour. Ouh, il y a du monde là-dedans. Ouh, il y a du monde. Tossetti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Argon, fer, benzène. C'est ce qu'il me fallait, c'est du benzène, moi. Aluminium, hélium 3, hein, pas mal. Putain, il y a du monde. merde, qu'est-ce qu'il me fallait? C'est ça, hein. Ah non, c'est beryllium, c'est ça. C'est pas le benzène. Je confonds. J'ai déjà perdu, voilà, j'ai déjà perdu. Merci à tous. Non, c'est beryllium. Hein. Oui, mettre le cap. On scanne tout ce qu'il y a ici. J'ai tombé sur des pirates niveau 30. On verra ça demain. Comment ça ta ferme, mec? Pas de ferme ici. C'est quoi ce truc? Tossetti X. Ah mais y a pas de satellite. C'est beau putain, hein. Oh lolololol. Par contre, attendez, ouais, c'est lui qui a plein de satellites là. Y'a qui là-dedans là? Ah mais là je vois ce qu'il y a. Tantal, fer, aluminium, argon. Station relais désertée. Ouais. En fait je peux voir, ouais, j'ai même pas besoin de me rapprocher. Chlore, pour l'instant c'est un peu de la bite hein, ce qu'il y a. Hein. Du palladium! Du platine! Nickel platine et palladium Mumba! La planète de tes rêves, elle est là. ouais, d'accord, celui-là, il y a juste eau et cuivre. Bah, super. On s'emmerde. Y'a quoi là-dedans? Aluminium, hélium, on s'emmerde. Du beryllium, de l'europium, de l'aluminium. Oh, beryllium, aluminium, hélium 3. Incroyable! Oh, bordel de merde. Ouais, 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 c'est pas mal, elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal, je note. Comment ça, attends, qu'est-ce que tu me fais? Plomb, cuivre, chlore, ouais. Ça, c'est la même encore. Ça, c'est la même. Je vais faire de l'hélium. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh là là, il y a du monde. Cuivre, nickel, fer, vanadium, platine, palladium, ouais, ouais, ouais. La ferme des Lopez. Encore. Celui-là, il est pas mal aussi, hein. C'est le tungstène que je dois trouver. J'ai toujours pas trouvé de tungstène, hein. Elle est pas mal, hein. C'est pas mal ici. Qu'est-ce qu'il y a là, Tantal? Je peux voir juste comme ça au pire. Ah si. Après le problème c'est que je connais pas encore, je connais pas trop les éléments chimiques. Enfin si, je vois vite fait. Genre CO, c'est quoi CO? Cobalt. Ah putain, vous voyez trop de conneries, vous abusez. Toujours pas de planète vivante, j'avoue. Et en vrai, attends, celle-là, elle est pas vivante celle-là? Température tempérée, atmosphère faible, moyenne. Au biologique. Ah, tu vois celle-là. Merde. Bon, on a du beryllium. Bon, déjà, on peut éliminer le beryllium. Je peux aller chercher le beryllium qu'il y a là-dedans, là.
Oh merde, oh merde. Putain, je lock, oh ça m'énerve. Je vais mourir. Je vais mourir parce que je sais pas qui je lock en fait. Bah ouais. Et pourquoi je peux pas me réparer? Qui m'empêche de me réparer là? Ils ont récupéré une arme. Comment on fait pour se barrer? Parce que le ciblage est pourri. Jusqu'en au passage. Ça m'énerve. Impossible en combat. Mais comment on fait pour se TP? Oh ça m'énerve. C'est pas clair. Oh là là là, quel enfer. Je vais mourir. Je vais mourir parce que le jeu m'autorise pas à cibler. Adieu. Bah je suis mort. Y a rien de logique. T'as plus de pièces, mais n'importe quoi, j'en ai au moins 5. Ah bah oui, bah super. J'ai de la pièce. Qu'est-ce qu'il y a dans mon vaisseau? Putain de merde. Ah, tiens, regarde, là je peux me réparer là. Bon alors, c'est quoi la blague? C'est quoi la blague, putain? Et pourquoi tout à l'heure je peux pas me réparer? Parce que c'est quoi? C'est une question de système, c'est ça? Sur là, je vais crever. C'est genre les autocus. Putain de merde. Il faut que je manipule les boutons là pour les boucliers et tout ça là, c'est casse-couille. Par contre le ciblage c'est toujours un délire hein. D'accord, je crois que je vais comprendre le ciblage. Non, c'est de la merde. Cible le mec en face. Comment explique ce qui vient de passer là? What the fuck? Vous avez dégommé le rastre moteur. Oh là 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 là, oh là 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 là. Ok, bon l'autre. Non, sale enculé, arrête! Arrête, tu triches! Notre système de saut est de retour. Astroportation en panne, capitaine. Ouais, mais vous avez vu les dégâts qu'il me fait? Il va me baiser, il va me baiser. Adieu. Vous avez bousillé le rastromoteur. Oh la vache. Ah ferme-la quoi. Mais je sais, ouais, c'est... Quoi? Tentative de quoi? De contact. Ah bah on saura pas. Ah d'accord, bah y a pas de message. Des pièces détachées me seraient utiles s'il vous plaît. Pour les soins de vous, blablabla, ok bah je sais pas ça va bugger, ok. Blablabla, salut. Oh là là, mais quel enfer quoi. Quel beat. Le ciblage, c'est pas clair du tout. Merde. Putain, ciblage de merde.
Ah, des débris de vaisseau. En tout cas, les dogfights, c'est vachement dur, hein. C'est un délire. Hein. Surtout c'est, bah, si t'as pas toutes les cartes en main, genre ciblé, ou genre la réparation qui marche pas. Mais je crois que la réparation, ça donne une histoire de système, je sais pas, c'est bizarre. Il y a un truc qui m'échappe là. C'était vrai, vraiment, le jeu m'interdit de réparer. En mode non. Qu'est-ce qui m'empêche de réparer, putain? Ok. Et ça c'est quoi? C'est les vaisseaux, c'est ça? Ah non, il y en a encore un. Encore une épave. Oh shit! Voilà! Je sais plus ce que je foutais là du coup, tellement ce combat m'a énervé, tellement c'est bullshit! Oui, d'accord, bah oui, c'est pour chercher beryllium, oui. Le beryllium. Aluminium. Ah! Non, me dis pas que le beryllium on peut pas le miner comme ça? Ah non! Oh la tristesse! Ah oui, parce que... Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. On peut pas le miner, le beryllium? C'est vrai, quand il y a un petit truc bleu comme ça, là, je pense que c'est compliqué. Et pourtant, ouais, c'est bizarre. Peut-être j'ai pas l'outil pour le miner, en fait. Je comprends rien. Ouais, les filons, ouais, mais bon, on peut pas l'extraire le beryllium, c'est la question que je me pose en fait. Oh shit. Peut-être faut un extracteur. Bah non, je sais pas. Peut-être faut un extracteur amélioré pour miner plus de trucs. Oh, attendez, déjà, on peut regarder ce débris de vaisseau là, ça m'intrigue. Tout à côté ce. Ah, je sais pas si on peut en miner le beryllium, hein. Je sais pas du tout en fait, hein. Ah, je sais pas, hein. C'est s'il faut un extracteur amélioré pour miner des ressources plus rares. C'est la buzz. Plus de vaisseaux, j'en ai combien là? Attends, maintenant là. Il me reste plus que 4, au secours. Putain, moi, s'il fait voler 10, ça coûte. La prochaine fois qu'un PNJ me demande des pièces de vaisseau, il va se faire foutre. Littéralement. Façon de ressources. Ouais, c'est ça, hein. Je sais pas ce que ça fait, c'est pas clair en fait. De quoi, comment construire des extracteurs commerciaux dans vos avant-postes? Extracteurs commerciaux, quoi? Allô? De toute façon, il me faut ça. J'ai pas. Bref. Hey, non. Attendez plutôt d'avoir un ennemi en face de vous. Pardon, ça m'a glissé des mains. Ah putain, mais ferme là! J'avoue, j'ai pas le débris de vaisseau là! Non, mais c'est de la bite! C'est de la bite! Vas-y, vas-y, c'est à côté! Oh! On se pose, tout est dans le verre. Mais attends, tu m'as fait poser où là? C'est la question là. On nomme l'hélium.
Oui, d'accord, ok. Ah, d'accord, même si t'as tiré dessus, ok, bon, what the fuck. Bon, j'ai envie d'aller là-bas. D'abord. Non, faut juste scan pour savoir si je vois du beryllium. D'accord, de l'europium comme ça. À l'air libre. Easy. Oula, c'est quoi ce bordel? Ah bah tiens. C'est pas ce que je pense, ça? Lol. Oula. Qu'est-ce qu'on a là? Y'a rien là? Oh. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça serait pas un truc qu'on a vu tout à l'heure? Ah, peut-être pas, non, c'est pas la même structure, je crois. Pourtant, ouais, non, si, ça a l'air d'être ça. J'ai l'air de reconnaître le truc. Non, peut-être pas. Station relais, ah non, peut-être pas. Ah non, pas du tout, non, c'est pas la même structure. Oh shit. Oh! Et t'es en train de me dire, Non, c'est une blague, je vais pas pouvoir mettre de trucs ici. Ah oui, non, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des. Apparemment, je me suis fait spotter, je ne sais pas comment. Tu peux sortir ton arme sinon? Oui, merci. Yo, petit rat. Sarah. Oui, du beryllium ici, putain. Je vais pas pouvoir le miner, mais c'est-à-dire que bon, de toute façon, je suis rentré ailleurs. Et je crois qu'ils sont tous à l'intérieur, ces rats là. Ils sont tous à l'intérieur, putain, c'est con. Ça se voit pas, ça? Ah, peut-être, attends. Je sais qu'il y avait une entrée en haut, mais bon. Je vais voir s'il y avait une autre. Maintenant, la question, c'est où se trouve la contrebande. Évidemment. Oh là là! What the fuck? Jean-Michel, ça triche! Et attends, laisse-moi voir la porte! Connasse! C'est quoi ça? Un cadavre n'a plus besoin de rien. Non mais oh! Oh ah ouais, alors là! Bah bah! Bah bah! Bah bah! Bah bah! Alors on va refaire, mais cette fois-ci sans tricher, s'il vous plaît. Ouah, pitié. Merde, je boule. Sarah, t'es où? Elle est pas là, cette conne. Je vois rien. Sarah? Non, t'es pas là. Très bien. On va se débrouiller. Ils font trop mal, ces enculés. Ah si, elle est là. Bah enfin. Oh, à l'avenir, je passerai plus par là. À l'avenir, je passerai plus par là. What the fuck, mais j'ai rechargé, enculé. Ok. Il voulait se barrer.
Bon, par contre, on les kits de soins qu'il y a ici. Ah oui, c'était ma photo tout à l'heure, j'ai même pas fait gaffe, c'est vrai. Ah mais c'est cool, faut qu'on fasse plus de photos là. Eh ben couillon, t'as ma première vraie mort quoi. Toutes les fois je suis mort dans l'espace parce que le jeu me m'autorisait pas à cibler ou réparer. Nique hein. Bah ça compte pas. Là je me suis fait bien fait des os. Oh putain, vous êtes combien? Oh vous êtes combien? Qu'est-ce qu'il y a ici? Fruit. Une poire. Bon, par contre, hein. Par contre, il y a plein de trucs de soins ici. Hein. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Non mais... Allô ? T'as les kits de soins là, ils sont remboursés là. T'as l'autre avec son arme de feu là, mais au secours. Vous étiez juste des pirates putain. Oh, par contre ça m'intéresse. C'est quoi ça ? On nomme les crédits. Ah. Tiens. Oh là là, oh ouais, putain, je vais crever comme un con, MDR. C'est quoi ce micro-ondes nucléaire là? Ça va, ça va. Ah, c'était l'explosion peut-être plus haut de mon flingue. Ah merde, ça fait peut-être du Fire and Fire ce truc. Peut-être bien. Je crois que vous devriez vous débarrasser d'un peu d'équipement. Oh t'inquiète. T'inquiète pas. Cette base c'est un peu un cafouillis là, j'essaie de me repérer là. Putain ce bordel. Celle-là ça monte encore un peu. Tout ça on l'a pas vu ça, c'est... oui. Pas. Ah. Ok. On y est, ah un expert en plus, allez. On est parti pour 10 000 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. 7. Et celui-là qui rentre. On n'est pas un 3 là qui peut faire l'affaire. Magnifique. Ça c'est bon. Un, deux, trois. Comme ça, je dirais. Et là. Et là, je suis du PR. Ah, j'ai, je crois, non. Ah non, ça rentre pas, ça? Sérieux? Merde. Ah mais c'est bon, j'en ai deux comme ça. Bah j'ai bon là non? Attends, je suis perdu déjà. Merde. Ah non. Attendez. Ah non mais non, celui-là j'utilisais pour celui-là. Non pas du tout. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je me suis perdu. Et chier. Non c'est un 3 lui. Non mais c'était lui, je suis con. Donc ça c'est... Attends, le 3 et 8 on oublie. Le 3 et 8 on oublie. Ok, ça c'est intéressant. Le 3 et 8 on oublie. Deux et 9. Ah, easy.
Bah, c'est trop facile avec les couleurs, machin, chocobo, y'a zéro fun. Oh. Level up de la serrure. J'ai pas de point de compétence. Tic. C'est trop simple, c'est trop simple. Sans ce code couleur, ça aurait été mille fois mieux, hein, ça aurait été plus intéressant. Et s'il y a un mode pour virer ça, je l'installe. Oulala. Mais attends, mais y'a rien là-dedans là, c'est juste ces bits là. Qu'est-ce qu'il y a là? Un pistolet 750, ça pèse combien ça? Ah, ça pèse rien. Des sous. Oh, c'est une ressource rare quoi, bon. D'accord. D'accord, d'accord. Non, non, mou. Oh, Mumba, tu crois que ça fait tourner Minecraft ça? Ça fait tourner Great New Zone ça? Attention. Qu'est-ce qu'on a ici? Du bordel. Faut que j'aille là parce qu'à 18h, faut que j'arrête. Faut que je sois en retard. L'enduit, ça il en faut. C'est limite pas du 20 TPS. C'est... Oh! Non, ça j'ai vite. Et bah oui, c'est le seul mec que j'allais chercher. Bah, je crois qu'on a fait le tour de la base. Hein. Par contre, la question c'est où est la contrebande? Mumba, ça, t'as me répondre tout de suite. Monsieur Scobo, il a déjà regardé sur internet où se trouve la contrebande. Je suis plaisante, monsieur, je m'en veux. Ne boot pas, ne boot pas. Oh, attends. Qu'est-ce que vous cachez à l'intérieur? De l'argent? Du beurre? Toast? Un croc? Une casquette? Je prends la casquette. Avec la robe, ça ira très bien. Oh, un aligneur. Ouais. Regarde. La comète de mon cul. Où est la contrebande? Après bon, tout à l'heure ils l'ont mis à l'extérieur la contrebande. Hein. Donc, bon. Attends, on n'a pas été ici, non? Oh, on l'a pas vu ça! Oh, c'est pas fini! Pourquoi je me fais chier à ramasser toutes ces... C'est plus fort que moi. C'est RP, moi dans l'espace. Voilà, admettons que je fais mon aventure solo. Mais la moindre bouffe, je prends tout. Je fais un stock. C'est quoi ça? Ah oui, mais du coup, on est ici. Interrupteur, bah ouais, mais ouais. Du coup, y'a rien de plus. Sus. Y'a rien à l'intérieur de ce truc là. Si, aligneur, putain. Il a été bien planqué. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Pour la cuisine, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais à force, Master Chocobo, non, mais c'est. C'est plus un vaisseau de transport que je vais avoir, ça va être un McDonald's volant quoi, c'est avec toute la bouffe que je ramasse, on en parle de ça ou? Bon ça je suppose ça ouvre la porte. Sarah! Excuse-moi Sarah. elle a failli se faire écraser. Putain ouais, le beryllium. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas mettre d'avant-poste ici? Environnement planétaire extrême requiert. J'ai pas le temps de lire. Des habitations de niveau supérieur. Et planète avant, c'était pas extrême? Mais. Comment ça? C'est ça qui est en train de me dire qu'il me faut ça en fait? C'est une joke?
Bon, après, il y a d'autres planètes à beryllium, hein. Pas de panique, mais bon. D'accord. Oh, bah tiens. Problème d'avant-poste ici, terrible. Regardez s'il y a des armes ou des munitions. Bah là, ce qu'on a regardé surtout, c'est s'il y a de la contrebande, ma chère. Ma chère Sarah, mais là, ouais, je sais pas où ils l'ont planqué. Je sais pas, ils ont planqué le loot. Oh, t'es sérieux? Allez! Bah ouais, non mais Master Shikobo, ça va faire beaucoup de points de compétence avec toutes ces histoires là. Je m'en sors plus. Ça, je peux pas me TP rapide, je suis un connard. Bref. Je propose c'est qu'on se casse hein. Ah non mais c'est vrai, attendez, j'ai oublié le dépôt de, l'épave de vaisseau, pardon, c'est vrai. Putain, on a un quart d'heure, est-ce que ça va le faire? J'espère. Et ouais, prochain live, faudra trouver bah, demain du coup. Pour réseau, c'est une sorte de beryllium hein. Parce que moi je vais pas le miner à la main, moi je vous le dis hein. C'est... Je suis Sarah. Achète le Master Chocobo. Master Chocobo, on va le miner, on va essayer de trouver un endroit où on peut le miner. Si on peut pas, on ira l'acheter. Ça marche comme ça, Master Chocobo, ici. Quoi ça? L'europium, écoutez, je le prends. Oh non non non. Ça marche comme ça ici, Master Chocobo. Je vais crever. Petite blague, c'est une petite blague. Ah bah c'est quoi, c'est ouais, c'est la température qui pose problème ici. T'as. Montre, bon moi la température de cette planète. C'est vrai sur Sanctuary, je crois qu'il fait un petit moins 60, moins 80, un truc genre. T'as de l'argent qui ne sert à rien, non. L'argent s'avère un jour ou l'autre. Master Chocobo. Ça ne marche pas comme ça, Master Chocobo. Ça ne marche pas comme ça. Oh bordel, oh putain. Améliore le vaisseau, tu crois que c'est gratos, Master Chocobo? Oh putain de merde. J'en fais des sacs. Non mais c'est le frontière, je suis bête. Putain, mais quel connard. Quel connard de la pire espèce que je suis, quoi. Mais comment ça... Mais c'est quoi cette sorcellerie? Bah qu'est-ce que je la garde? Oh. Et les ressources... Voilà. Ah oui. Le canard. Le canard. La soute elle a combien? Putain, elle est pas se fou l'MDR. Oui. Oh mais si on mine du beryllium, Master Chocobo, c'est encore plus d'investissement, tu vois. Et oui. On va essayer de jeter un coup d'avis de fait là-bas. Tombé sur un Metroid.
du coup le Bérylien, moi, c'est, on peut en trouver comme ça, moi, ça c'est bon signe. Malheureusement, je peux pas. Des habitations de niveau supérieur, mais je veux pas habiter là, hein. Tu sais, le jeu à -111 degrés, oui. Ouh là là, oui, sacré débris de vaisseau. Ah oui, non, mais là c'est plus des débris, c'est un cimetière. C'est pas pareil. Oh lolo. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Et là, le vaisseau, on le répare et on part avec. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est pas l'endroit pour la contrebande, ça? Genre une histoire qui a mal tourné. Genre ce bouclier, on peut pas le recycler, là? Je vois une caisse. On peut pas rentrer dans le vaisseau? Oh shit. Pièce de vaisseau, ça fait plaisir. Structure d'attaque. C'est bien, c'est bien. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-bas, là? Oui, 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 c'est bien, c'est bien. Structure d'adaptative, on prend. Qu'est-ce qu'on a là? Circuit électronique. Combustible nucléaire. Ok, ok, ok. Là, je crois qu'il n'y a plus rien. Non. Alors, est-ce qu'on peut au moins à l'intérieur ou c'est genre 2 mètres carrés de. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ces conneries, ça pèse tellement lourd. Je peux pas aller. Ah, merci. 2 kits de soins, ça fait plaisir. Y'a que ça du coup? Le couteau. Au genre le couteau là? Et bah c'est tout je crois, hein. Quel ping. Y'a rien de plus. Sus. Oui, allô. Je crois que c'est tout. C'était une petite épave. Bon bah on prend hein. Oh oh oh. Non, c'est l'aluminium. Je propose c'est qu'on se casse de là. On va essayer une autre planète à Berlin, on va voir si c'est la même merde. Attends. Du coup une planète qui est pas forcément hostile. C'est quoi le beryllium? C'est BE. Ok. Oh. 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 Attends, c'est gelé, ouais. C'est gelé là aussi. Ah, aride glacial. Et celle-là, elle peut-être est plus jouable. C'est sur celle-là. De toute façon, il y a 15 vaisseaux qui vont débarquer de l'espace et vont me faire le cul. Ah oui, ah oui. Non, c'est bon. Okay. Vous êtes qui? Hey vous, répondez au signal. Bougez plus. On vient. Oh! Ouais, je sais pas ce que vous avez à faire, allez, vas-y, on va essayer de lui faire le cul. Après, son vaisseau, vu comme ça, il a pas l'air d'être dingue, hein. Mais bon. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Qu'on lui fasse la peau. Non, mais vous t'es tout seul ou pas? Oh, le tuyau! Je suis en un tuyau sur la gueule! Ah, ils sont deux! Bah, ouais, non, mais vous trichez là! Et eh bah, ben, je vais crever. Bah, ouais, bah, ouais. Astromoteur désactivé. Ah, mais vous êtes combien? Vous êtes 4000?
Non ? Oh, je vais mourir. Ah oh, ouais, mais c'est imp... Je trouve que c'est impossible les autres fights, hein. C'est trop dur, hein. Franchement, Franchement, what the hell. Mais il... Putain, mais d'où il sort l'autre con, là, aussi, là. Bon, ça, ouais, j'étais là. D'où il sort l'autre connard, là. S'ils étaient deux, ouais, j'aurais négocié, mais c'était tout seul, mais vas-y, hein, let's go, hein. C'est pas clair, c'est jamais clair, franchement. Y'a rien de clair. Y'a rien de clair. Aïe 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 aïe. Quoi? Hein? Oui, je peux y aller? Ça, je suis un kangourou dans l'âme, oui, c'est bon. C'est pas clair, hein, c'est d'autres fights de mes couilles, hein. C'est... Tu lâches trop tôt tes balistiques. Bah, bah je tire, CMDR. Je dis, bah oui, je tire. Tiendrai pas longtemps. Ah oui, d'accord. Ouais, 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 ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire, ok, d'accord. Mais ça fait rien les balistiques ou quoi là? What? Après, ça c'était pas pour les boucliers, enfin. The fuck? Bah là, je suis mort. Je suis mort. Dès qu'il y a un mec à mon cul, c'est fini, hein. D'accord. Allez, allez. Là on se casse, on se casse. Non mais surtout il faut que je manipule mes touches en fait. Là on se casse, on se casse, on se casse. Il faut qu'on kite, il faut qu'on kite, il faut qu'on kite. Allez, 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 allez. On se met derrière le caillou là. Là mec, si tu me touches, là je crée l'arnaque. En fait, oh putain le con. Il faut jouer comme ça en fait, dès que j'élimine quelqu'un, je me casse, je recharge mes shields et après on discute. Mais il faut que je bagne mes touches en fait, faire ça comme ça c'est casse-couille. Oh putain de merde, attends, ouais, il faut qu'on règle cette histoire là, tout de suite. C'est impossible, c'est trop chiant. Pitié, c'est trop chiant. C'était en haut, c'est ça? Putain. Ouais, mais en fait, il me faut une arme vraiment qui pète le bouclier, quoi. Le laser là que j'ai. Ah non, mais c'est pas le laser que j'ai, qu'est-ce que je raconte? C'est la balistique? Ah non, mais c'est bon, ouais, c'est le par là, c'est le par, il est trop lent. Il est trop lent, alors. Oh putain. Up, down, VC. Ah ouais, c'est comme ça que je fasse? Sélectionner cible, bah ça MDR. Oh quel enfer! Mais y'a pas genre. Pas comme dans FTL, tu sais, on. Oh là là, okay. Oh, c'est... Oh non, ils font chier. Ah oh, c'est de la merde. D'accord. Mais attends, mais j'ai. Ouais. Je peux utiliser ces touches ou pas? En vrai. Espèce de con, ça m'énerve. Merci. Voilà. Écoute-moi. Action du vaisseau, ah ouais. Ah. Ah ah ah. Touche. Ah, ne sert à rien. On est d'accord. Non. Vise là, là. Merci. On peut pas faire. Oh putain, oh c'est de la merde. Ah ouais, ah j'adore. On peut pas faire mage plus A.
ouais, ah ouais. Après, je le lâche, c'est un chat marche aussi, j'ai envie de dire. Hein. Attends, qu'est-ce que tu m'as fait dans mes touches? Ouais, c'est bon là. Oh, ça va être de la bite. Oh, ça va être de la bite. J'aurais dû m'entraîner avant. Non, non, ta gueule, ta gueule. Non, c'est de la bite. Mais non, mais ma, j'étais le champ. Oh putain. Oh mais c'est... Oh non, franchement c'est horrible, hein. C'est horrible le ban des touches là, ça va pas. Ça va pas. Oui le turbo. Oui le turbo. C'est ça? Ouais, je pense que c'était ça. Non mais le jeu, je t'en suis. Je vise là, là, j'ai ma souris ici, vise, merci. Arrête d'être con. S'il te plaît. Ça marche là-dedans ou pas? Quelle bite. Oh mais c'est impossible hein ce jeu là. Et comment ça missile? Ça sent le fail. Ok attends, il est où, il est où? Oh. Moi je vais passer point de vie. Merci. Ah j'ai un peu... D'accord. J'ai réussi à cibler. Oh non. Le système de saut de la cible abattu. On va prendre cher, hein, je vous préviens. Fils de pute. On marouf, on marouf. Voilà. Non, 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 non. Je suis planqué là, mec. Mec, je suis planqué là. Vous utilisez ma super vitesse. Voilà. C'est comme dans le Clone Wars. Avec Anakin Skywalker, le croiseur qui sort de la lune. Mais voilà ouais, les raccourcis, il faut qu'on trouve un truc hein. Et là mec t'es mort hein. Là je vais pas te lâcher le cul hein. On s'est appelé ma sœur Chocobo là? Parce que je sais que les balistiques, est-ce que c'est mieux pour toi? De toute façon le bar, je le bourre, ça sert à rien. Ah là j'ai plutôt bien géré ce fight là, je suis content là. On s'améliore. C'est d'expérience, c'est d'expérience. C'est d'expérience. Allez bim. Incroyable. C'est mieux, oui voilà. Mais c'est les touches là, c'est en bas là, ça c'est de la merde. Hein. Ça faut faire quelque chose pour ça. Hein. Ouh. Et vraiment faut que j'utilise vraiment le moteur c'est pour disengage, pour me recharger mon shield et tout. C'est vraiment faut que je fasse ça. Hein. Faut que je prenne l'habitude. Ouais, ça, je suis plutôt content de ce fight. Enfin un fight qu'on a pas trop. Attends, me dis pas que. Oh non. Est-ce que j'aurai de la place pour te prendre? Fait que du dog fight, oui bah non non Le beryllium, oui le beryllium là, Master Chocobo. Euh...
C'est quoi ça? Ça c'est des vaisseaux. Jitter, ouais je sais. Je peux grignoter un peu de temps. Merci Sushko. T'inquiète. Je sais que t'as hâte de me voir dégarper parce que je joue mal. On s'en est où là? Je fais ce que je peux. Hein. Attends. Ah tu vois là, voilà, c'est ça. Et après, ah. Ah ouais. Mais là j'ai mis A et contrôle quoi, c'est chiant. Ou sinon l'idéal c'est que je mette ces touches peut-être. Je vous embête hein, je sais. Mais c'est dommage voilà qu'il n'y ait pas un bouton genre voilà, genre 1 pour mettre du shield, mage 1 pour retirer, voilà, ça aurait été génial de faire ça. Mais non. Alors attendez. Le jeu. Game. Là. Merci. Là, c'est un truc comme ça. Voilà. Non. Attends. Oh putain de merde. Oh ça t'a un coup de main à prendre hein. Oh c'est trop chiant. C'est trop chiant. Mais où est la caisse du coup? Je vois pas la caisse. Elle est là, juste en face de moi. Oui. Il y a du beryllium dedans, MDR. Bref. Après, perso, je pense qu'un dogfight avec des astéroïdes, tout ça, je pense que je peux. Ça va. Mais à poil comme ça, là, mon dieu. Ouais non attends tu me fais quoi là? Attends je vais faire la carte, j'ai pas envie de discuter avec eux là. Bon les ressources je pense que ça veut pas dire grand chose. C'est une Dogstar ouais. Bon je vais mettre là moi tiens. Allô. Genre ici là. Oui je vais attirer. Non. Hello. Ouais mais les consoles, ouais les binds c'est horrible. Ou sinon je les mets sur ma souris. J'ai une souris naga comme ça mais bon. Bah à la limite ouais, à la limite ouais. Ah peut-être un moyen. Moyen de faire un truc. Bon. De 1, est-ce qu'on peut installer ici? Bon je pense que c'est mort, je pense qu'on peut installer. Ah si! Incroyable. Maintenant de 2, est-ce qu'il y a du beryllium? Ou est-ce que c'est de la bite? Aluminium, nium, beryllium. Triple kill. Oh. Et ben je pense qu'on verra ça une autre fois. Franchement ici voilà, on a pas mal de trucs. Sachant que il y a du cuivre ici là. Il y a des conneries genre il y a du cuivre, il y a du fer. Voilà c'est ça. Allez vas-y, allez salut. En plus cette planète elle est assez proche. Oh oui, ok. Bah Dolé va déménager hein. On va s'installer ici hein. Attends je vais mettre l'avant-poste là. Ça sera fait. Oh non mais là c'est le jackpot là hein. Hey. Attends maintenant la question c'est où se trouvent les filons là. Les François Fillon. Ah par contre il y a un peu de gravité cette planète, c'est chiant. On va y arriver, attendez, on va y arriver. Oh l'extracteur. Ah c'est ça les extracteurs, quel que soit le minerai, c'est la même chose, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah par contre je suis curieux de savoir où tu vois tes minerais mec, hein. C'est moi je les vois pas. Hein. Où est-ce que tu vois tes putains de minerais? Ça se trouve c'est sur 2 mètres carrés tu sais. Oh Mumba. C'est quoi ces conneries? Où est-ce que tu les vois?
Où est-ce que tu vois les minerais? Oh Mumba! On est bien d'accord que... Attends. Je vais mettre ça sur un truc de minerai. Bien d'accord. Peut-être passer sur un filon, voilà, on est bien d'accord. Ah, il y a un franchin filon là-bas. C'est quoi? De toute façon, je crois que c'est l'aluminium, je crois. Ok. Attends, on est d'accord. Hein. Ça, c'est l'aluminium. Non, mais c'est ça la strade en fait, regardez. Je vais y arriver. Hein. Je me paume. Ces menus, je pense. Honnêtement, je pense qu'au bout de 250 heures de jeu, je vous promets. What the fuck? Je vais réussir dans ces putains de menus. J'arrive pas. F. Non mais c'est FR putain. FR, merci. Dab. Alors où se trouve ton beryllium là? Oh Mumba, oh non Mumba, tu vas pas me faire ça Mumba. Ah bon, je peux me mettre en haut du vaisseau, mais le problème c'est que... De toute façon, c'est l'autre côté, non? Mais attends, quoi? Et le gnome dium dium là? Ah, c'est là-bas le gnome dium dium. D'accord. C'est au niveau de l'aluminium? Pas du tout. D'accord, donc le gnome dium dium il est là-bas, ok. Donc beryllium. Le beryllium. Il est sur le vaisseau, non? Il doit être là-bas, je pense. Voilà, il est sur Vasco le beryllium, voilà. En plus c'est pas mal, parce que ouais, pour même l'énergie solaire. Après je pense, je sais pas s'ils ont été jusqu'à ce détail. Et c'est là-bas. Il est là-bas le beryllium, il est là-bas. Il est là. Ouais, ouais. Mais je le pose hein. Ça sera fait. Voilà. Ok. Et bah la prochaine fois, on va set up tout ça, moi je vous dis. On va set up tous ces avant-postes. Parce que YOLO. Y'a pas moyen de voir les ressources globales du système. C'est vrai, ça c'est dommage, ouais. Ils auraient dû prévoir ça. Parce que, ouais. Franchement, ouais, essayer du tungstène ici, ça aurait été incroyable. Mais là, je pense que je. Voilà, Là, je leur demande un peu trop, là. Je crois qu'il n'y a pas de tungstène ici. Hein. Non. Non, non, non. En tout cas, cette planète, elle est incroyable, hein. Théa, ça, c'est Tantalum, je crois. En tout cas, il y a plein de trucs ici, hein. Il y a plein de trucs, hein. Il y a même des minerais rares, c'est cool. Non, il n'y en a pas. Bah écoutez, je m'en fous dans mon vaisseau. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Bah demain, voilà, vers 16h, vers là, on fera un autre live. On essaiera d'avancer dans ces nouveaux postes. Et puis voir ce qu'on peut faire, voilà. Oh, puis un peu d'exploration. Puis demain soir, on avancera dans l'histoire principale, voilà, on essaiera. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, bonne soirée, et à la prochaine, bye bye. Dis au revoir, Sarah, dis au revoir. Qu'est-ce que tu penses de Mars, Sarah? Je me demande où tout cela va nous mener. Ah bah, c'est une très bonne question, ça. Au revoir. Sarah vous dit au revoir.